Sinfide est un réseau interprofessionnel qui permet de créer des passerelles entre vie amicale et vie professionnelle grâce à des occasions de rencontres dans un cadre artistique ou culturel que l'on met régulièrement en place. Avec des personnes qui viennent d'horizons différents, de l'industrie, du cinéma, de l'art, des services. Et notre objectif est de trouver un point commun entre chacun et d'être capable d'accélérer leur projet. Cette année, l'occasion nous a été donnée de pouvoir recevoir nos invités dans ce cercle prestigieux qui est l'Automobile Club de France, en partenariat avec la BNP Banque Privée qui nous accompagne dans cette aventure. On sait leur engagement dans le mécénat et dans leur qualité de travail au profit de la gestion de patrimoine. Nous avons également l'étude Colin du Bocage, un commissaire-priseur dont nous saluons l'expertise et le savoir-faire. Et puis il y a un sujet qui nous tient également à cœur, sur lequel nous avons travaillé ces trois dernières années. Et vous l'avez un peu dit tout à l'heure, c'est la philanthropie. Ce que je trouve intéressant dans une initiative comme Opus Infide, c'est l'idée de réseau. Et nous, une grande demande de la part de nos clients déjà philanthropes, c'est effectivement le partage d'expériences. Et cette soirée aura lieu particulièrement au profit de l'association des Petits Cracks, qui fête là ses 10 ans. Alors les Petits Cracks, qui sommes-nous? Les Petits Cracks, nous sommes une association loi 1901. Et nous venons en aide aux enfants atteints de cancer depuis maintenant 10 ans. Donc je suis très heureuse, Benoît, que vous nous receviez ce soir. C'est l'occasion pour nous de rencontrer encore plus votre réseau. Un grand merci. Et si les sonneurs sont prêts, messieurs les sonneurs, les honneurs. Sinfide permet un croisement, un rapprochement entre la vie professionnelle et la vie amicale. Et c'est donc un mélange de... Voilà, c'est mettre de l'agréable dans de l'utile, ou l'utile dans de l'agréable, tout ça dans une atmosphère très chaleureuse. Je savais que c'était une soirée qui regroupait des membres des Grands Ateliers de France, dont je fais partie, qui est une association où on valorise le haut artisanat français et on est assez solidaires les uns des autres et on défend une qualité de métier d'art importante. C'est une rencontre pour présenter ses savoir-faire et nous attendons de cette soirée d'Opus Infide des rencontres, surtout déjà des rencontres. Cette soirée à l'Automobile Club, j'ai envie de rencontrer des gens qui sont certainement des passionnés et qui ont beaucoup de choses aussi à échanger avec nous. On a envie de rencontrer des gens curieux, voilà. Ce soir, ma présence à l'Automobile Club, elle est motivée par le fait de vouloir rencontrer les gens. Car au fond de l'atelier, en général, j'y travaille, mais les gens ne viennent pas toujours me voir. Donc j'aime bien faire la démarche inverse, de venir au devant des gens. Notamment les gens qui sont intéressés par tout ce qui est métier d'art, tel que l'on va pouvoir le découvrir ce soir. Si historiquement, ce métier d'animation de partenaire m'a permis de mettre en œuvre ce réseau interprofessionnel, ce sont ensuite les membres qui en ont fait ce que c'est devenu aujourd'hui, c'est-à-dire vraiment cette passerelle de projet personnel ou de projet professionnel.